Je vous remercie donc une fois de plus sur cet enseignement en rapport avec qu'est-ce que c'est préparer sa bonne mort et comment préparer sa bonne mort. Tout à l'heure, nous avons vu, nous avons parlé de long à large sur comment préparer sa mort. Nous avons parlé de manière théorique dans les définitions. Et ça dépend des différentes traditions. Mais je ne suis pas rentré dans les détails du rite. Et cela n'est pas important, s'il vous plaît. Car ce rite, je le répète une fois de plus, ne se fait que lorsqu'on a atteint un certain niveau spirituel. D'accord ? Il peut être disponible, que ce soit pour les religieux ou pour les initiés des grands mystères. Bien, mais la question que je peux aborder dans la première partie et que je veux maintenant aborder à cette deuxième partie, c'est pourquoi préparer sa bonne mort? Pourquoi faut-il que vous, moi, nous puissions préparer notre mort? Mais comme vous l'avez vu, la mort, via ou bien sous couvert de cimetière, est une préparation d'une autre vie. Donc, la vie et la mort sont liés pour
l'évolution de notre conscience. D'accord? Alors pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il est très important de préparer sa mort. La première raison, elle est d'abord d'origine divine. Préparer sa bonne mort, c'est aussi comprendre pourquoi nous sommes ici. C'est aussi comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est la vie. La définition de la vie, elle se prépare même dans ce cycle de préparer sa mort. Pour mieux comprendre la vie, il faut aussi mourir. Elle peut comprendre la mort, mais il faut vivre. Donc vous voyez la relation qu'il y a entre les deux, entre la vie et la mort. Il n'y a pas une grande différence du point de vue mystico-spirituel, du point de vue spirituel. Parce que la mort, ce n'est qu'un changement. La mort est une transition. La mort, c'est partir d'un point A à un point B. Mais quand vous êtes parti du point A, c'était d'abord la vie. Et vous arrivez au point B, c'est aussi la vie. Mais c'est le cimetière, c'est la tombe qui vous permet de faire ce transfert. Donc, pourquoi alors? Première raison, c'est pour mieux comprendre la vie. C'est pour mieux comprendre la vie dans ces deux dimensions, que ce soit dans le plan matériel, rationnel, et dans le plan irrationnel, métaphysique et invisible. Parce que la matière n'est que la grosse, n'est que la grossière expression de l'esprit. Tout vient de l'énergie. Tout vient de l'esprit. Ce n'est pas l'accumulation de l'énergie que la matière prit son existence. Quand vous lisez les grands livres de la création, on vous dira, et Dieu dit, et Dieu fit. Mais quand le Dieu vit, le Dieu dit et Dieu fit, tout part au niveau de l'esprit. C'est l'accumulation de l'énergie. Mais cette accumulation de l'énergie est une concentration par rapport à un plan, par rapport à la création, ce que vous voulez projeter. Tout comme l'architecte qui s'assoit derrière son bureau, qui se prive, qui se concentre pour pouvoir réaliser la matérialité, ce que vous lui avez donné comme plan. Il doit matérialiser cela. Mais pour qu'il matérialise cela, il passe par l'esprit. Il y a un grand travail énergétique qui se fait. Bref. Donc la première raison, c'est pour comprendre ce que c'est la vie. La deuxième raison qui est très fondamentale, c'est préparer sa bonne vie, c'est aussi vous protéger. Oui, vous protéger contre les forces du masque, du biasme, du bas astral, vous protéger contre les forces négatives, vous protéger contre les projections astrales inconnues et non désirées, c'est-à-dire des gens qui se projettent, qui veulent venir vous visiter, c'est aussi vous protéger de cela. Préparer sa bonne mort vous protège à l'état conscient actuel. C'est une forme de protection. Parce que, souvenons-nous, à la première partie, on a dit que préparer sa mort, c'est vivre en harmonie avec les lois et principes immuables de Theta Mwanga. C'est en un mot respecter, obéir à toutes ces lois qui nous sont données du point de vue du lien parental, familial, ancestral et ensuite traditionnel. Nos rites et traditions ont des principes qu'il faut respecter. Quand vous les appliquez à la lettre, vous verrez que vous préparez votre bonne vie. Vous préparez votre bonne mort, disais-je, puisque la vie et la mort sont liées par, n'est-ce pas, les expériences du principe conscientiel, donc les expériences de notre conscience. Troisième raison fondamentale, mais c'est de vous prévenir de tout ce qui vole les consciences des gens, de tout ce qui sont des voleurs des âmes. Qui sont les voleurs des âmes? Ce sont des sorciers. Ce sont des commanditaires qui sont envoyés par certains occultistes, mercenaires de l'occultisme, qui veulent s'accaparer des âmes de ce mec-là pour pouvoir lui donner le pouvoir. N'êtes-vous pas surpris qu'il y a certaines personnes qui ont toujours fait recours auprès
des ritualistes, c'est-à-dire auprès des criminels ritualistes, c'est-à-dire tous ceux qui font les crimes rituels. Ils sont beaucoup sollicités. Pourquoi? Mais parce que quand le mercenaire de l'occultisme, le magicien qui est un ignorant des forces magiques, mystico-spirituelles, quand je dis ignorant, parce que s'il respectait réellement les lois universelles théurgiques, il utiliserait la magie comme étant un moyen par excellence pour aider, pour clore et répandre les quatre vertus de Dieu dans tout l'univers, l'amour, la puissance, la paix et la justice. Voilà pourquoi nous les appelons des mercenaires de l'occultisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent à s'accaparer de l'âme d'un individu qui sont allés exécuter. Mais à leur grande surprise, cette âme disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit la personne avait une très bonne protection depuis son naissance, ce qui fait que ses ancêtres n'ont pas voulu accepter que cette âme travaille pour ce politicien, cet homme d'affaires, ou cette dame d'affaires, ou ce mec qui veut forcément avoir le pouvoir à travers le sang d'un individu. Or, c'est à travers le sang que votre âme exprime son existentialité dans le plan matériel. D'accord? Voilà l'une des raisons. La raison, donc, la troisième raison fondamentale, c'est pour vous protéger contre ces assaillants-là qui voudront éventuellement voler votre âme, pour permettre votre âme de travailler pour eux. Mais puisque votre âme est préparée, votre conscience est préparée, ils ne verront que du flou. Ils vont se retrouver avec une carcasse. Ils ont pris le sang, mais ce sang devient inefficace. Ce sang devient inopératif dans leur ritualie macabreuse, diabolique, démoniaque. Ça n'agit plus. Ah oui, mais parce que le corps de cet initié, le corps de cet individu a fait le travail de la préparation de la bonne mort. Donc, faire l'une des raisons pour lesquelles, pour répondre à cette question, pourquoi faire la préparer sa bonne mort, mais c'est pour, justement, vous protéger des mains des sorciers, des mains des mercenaires de l'occultisme qui cherchent une âme ça et là afin de pouvoir renforcer leur égrégore. Ça peut être un égrégore de type religieux, ça peut être un égrégore de type logiste. Il y a certaines loges maçonniques qui veulent que le sang se verse pour renforcer le pouvoir, pour tenir les piliers de leur loge. Maintenant, si vous tombez sur l'âme d'une personne qui a déjà fait son travail de la préparation de la mort, vous ne pouvez pas avoir cette âme. Parce que l'objectif, si vous avez suivi tout le début, l'objectif de préparer, de faire la préparation de son âme, c'est afin que cette âme puisse faire ce transit via la tombe. Et là encore, vous savez la nécromancie. Dans la tombe, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y suivre ma vidéo intitulée « La nécromancie, les effets secondaires, les bénéfices et les méfaits de la pratique de la nécromancie ». Moi-même, je pratique la nécromancie parce qu'il y a l'un de mes parents qui m'a autorisé de garder sa tête. Donc, au cimetière également, il se passe beaucoup de choses. Ça également, ça va vous préparer, ça va vous protéger parce que vous avez fait la préparation de votre bonne mort. L'individu qui va vouloir prendre des supports, parce que le doigt est un support, le crâne de la tête est un support, l'orteil est un support. Tout ce que vous allez prendre, ce sont des supports qui vous permettent de rentrer en communion avec l'âme du défunt. Mais si ce défunt-là, comme on le dit dans le langage humain, sa conscience ne peut être contrôlée par le mercenaire de l'occultisme parce que son âme, sa conscience a été préparée. Donc ça, c'est très important de le retenir. Voici l'une des raisons pour lesquelles, à votre question, pourquoi alors préparer sa bonne mort? Pourquoi préparer sa propre mort? Mais c'est pour vous protéger. Il y a trois manières d'abord de comprendre la raison pour laquelle vous vivez. C'est pour cela qu'il faut préparer votre bonne mort. De comprendre ce que c'est la vie. Du deux, de vous protéger contre les assaillants de tout genre. Hein? Vous protéger même dans le plan physique. La personne va chercher à vous attraper, mais vous vous défendez, vous avez des forces surnaturelles, et ou bien vous courez, vous avez échappé. Eh bien, mon Dieu, merci Seigneur Jésus, oh, tu m'as protégé. Mais nous, en tant qu'initiés, voilà pourquoi il est important de préparer sa propre mort.
Ces deux rites, non, je ne veux pas faire. Surtout pas le deuxième, ne le faites pas. Le deuxième, c'est lorsque vous sentez que la mort est imminente. Pas la mort créée par un assassin, non, non, non. L'appel de Dieu, l'appel des génies. Quand ils savent que votre mission est accomplie, donc, ils vous appellent, ce rite-là, on le fait. Ne le faites pas tant que vous n'êtes pas encore au courant de la date de votre départ. Parce que tout véritable initié, je vous fais le témoignage de mon père, moi-même, je vous parle, je connais l'année, le mois auquel je quitterai ce monde. Je ne peux pas en parler au public. D'accord? Tout véritable initié connaît la date de son départ d'ici-bas. Il n'y a pas de sorcellerie en cela. Ce n'est qu'une connexion avec, n'est-ce pas, l'au-delà, avec votre génie, avec les ancêtres, avec les dieux. D'accord? Donc, il y a un temps pour tout. De ce fait, la protection d'abord, elle est aussi physique. Elle est spirituelle également. Et la protection la plus importante, c'est lorsqu'on va vouloir vous sacrifier dans les rites, dans les crimes rituels. C'est là où l'importance de faire le rite de la préparation de la bonne mort. Parce que vous prenez conscience de votre vie et de votre mort, de la plante des pieds jusqu'aux mèches de vos cheveux. À force de le faire tout le temps, dès que quelqu'un veut pouvoir s'accaparer de vous de manière brutale dans le plan astral, c'est-à-dire envoyer la technique de sorcellerie sous couvert d'empoisonnement et autres, il ne va pas vous atteindre. Vous avez donc déjà là une double protection. Vous n'avez plus besoin de protection, de prendre les éléments de la nature ou porter je ne sais quoi autour de votre cou ou porter des bagues, des talismans. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Parce que vous êtes naturellement protégé. La troisième protection, elle est très importante parce que souvent, on guette. Les gens ont tendance, pas tendance, les sorciers souvent guettent les têtes de nous autres, guettent les têtes de tous ceux qui sont sorciers. Mais vous allez retrouver mon corps, vous allez venir me prendre, me tuer, mais vous serez surpris que vous ne pouvez pas voir mon âme. Parce que j'ai déjà préparé mon âme d'aller dans d'autres dimensions. Et au contraire, je peux venir vous faire du mal. Voilà pourquoi la plupart des commanditaires ont des problèmes. Ils tuent, mais ils continuent à tuer. Et vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi beaucoup de sorciers, beaucoup de logistes, beaucoup de gens qui sont dans des loges bizarres vont toujours chaque année sacrifier, sacrifier, sacrifier. Parce que leur sacrifice n'est pas permanent comme le sacrifice chrétien du Christ, que Dieu a une fois pour toutes sacrifié son Fils bien-aimé, hein, afin que toute l'humanité, n'est-ce pas, souvenez-vous ce qui s'est passé lorsque le rideau se déchira après cette grande tornade, après que les tombeaux se soient ouverts, n'est-ce pas, le premier jour, hein, lorsqu'il fut crucifié sur la croix, lorsqu'il rendit son âme, hein, selon les écrits chrétiens, bien sûr. Souvenez-vous. Mais c'est la même chose. Le Jésus, on nous dit quoi? Il partit en enfer. Il fit 3 jours en enfer et il revint vainqueur. Ça, c'est ce que les catholiques disent. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est rentré dans le royaume de mort. Il a combattu les esprits de là-bas. Il est ressorti victorieux. C'est cela l'avantage de préparer sa bonne mort. Voilà donc la raison pour laquelle il vous faut faire le rite et aussi comprendre les mécanismes, comprendre comment préparer votre bonne mort dans la vie de tous les jours, 24 heures sur 24, et ensuite faire le rite de la préparation de la bonne mort. Donc, je crois avoir répondu à votre question. Pourquoi faut-il, n'est-ce pas, préparer sa bonne mort? C'est ça la véritable réponse que je viens de vous donner à travers ces 3 éléments. D'ici là, portez-vous bien et que Teta Mwanga vous bénisse au réveil de ceux qui vont pouvoir être debout, parce que là, j'ai dépassé le temps. Il est déjà minuit dépassé de samedi, donc j'arrive déjà vers dimanche. 3 minutes de dimanche. Alors, je vais rentrer dans mon silence. D'ici là, portez-vous bien, que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore.